Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute petite vidéo pour vous montrer quelque chose que j'ai canalisé hier. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire et le contexte pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait cette canalisation. J'ai une amie qui a perdu son meilleur compagnon de route, Cash, son chien qu'elle aimait énormément. Et c'est vrai que je savais l'amour qu'elle avait pour ce chien et je pensais à elle hier et d'un seul coup, j'ai eu comme un ressenti, comme si on me poussait à prendre mon appareil photo pour canaliser quelque chose dans ma boule de cristal. Ce que j'ai fait et je vais vous montrer le résultat tout de suite. Avant de vous montrer le résultat, je voulais déjà vous montrer donc la photo de Cash. Il est magnifique, hein. C'est vraiment un superbe beau toutou. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Et je vous montre moi ce que j'ai pu obtenir dans ma boule de cristal. Donc la photo est à gauche et je vous laisse vous concentrer quelques secondes pour bien voir Cash. Moi en tous les cas, direct, je l'ai reconnu. Bon, après, comme je l'explique souvent, pour eux, c'est difficile de se faire voir. Donc, oui, c'est un peu déformé parce que c'est comme si vous, vous mettiez la tête dans l'eau pour vous faire voir pour quelqu'un. Par contre, quand on regarde la truffe, elle est vraiment en forme de cœur, comme sur la photo à droite. Donc, voilà, on voit vraiment... Enfin, en tous les cas, voilà. J'avais envie de vous faire ce partage pour la simple et bonne raison que quand vous perdez votre compagnon de route... Et que vous vous posez la question, parce que j'ai souvent eu des questions là-dessus, est-ce que nos animaux sont là-haut, est-ce qu'ils nous attendent et tout, vous avez la réponse, que eux aussi ont le droit de vivre de l'autre côté, qu'ils sont présents. Et comme je l'avais expliqué il n'y a pas longtemps, j'avais fait une séance où j'entendais un chien. Il y avait un chien qui jappait alors qu'autour de moi, quand j'ai fait la séance, il n'y avait pas de chien. Donc ça venait vraiment de là-haut. Donc voilà, j'espère que cette présence et cette canalisation que j'ai pu obtenir va vous réchauffer le cœur en vous disant que voilà, vos compagnons sont toujours présents. Donc j'ai montré la photo à mon amie, elle a été très touchée et je lui ai demandé donc son autorisation pour faire un partage de la photo de son chien et de celle que j'ai canalisée pour que ça fasse encore une preuve comme quoi on n'est pas tout seul et que nos amis les plus chers, nos petites boules de poils à quatre pattes sont toujours présents avec nous. J'attends vos commentaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.